Good morgen, allez, Iden et Sutro aujourd'hui, et le Louis Richard Ron Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal, et Daniel Myriam, Bateliza Sayak. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Michel, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions aujourd'hui ma Sechet Souka, Père Gimel Mishnah Aleph, Lula Vagazul Veha Yavesh, Basoul, Shalashara Vishal Eir Anida Achat, Basoul, Niktam Rosho, Nifretsu Alav, Basoul, Nifredu Alav, Kacher. Rabbi Yehuda Omer, Yéagdenu, Milemala. Tinehara Barzel, Kacherot. Lulav Sheyashbo, Shloshat Fachim, Kedelenaneabo, Kacher. À partir de ce chapitre, on va entrer dans la deuxième grande mitzvah de Sukkot, qui est, jusqu'à maintenant, on a vu la Soukha dans tous les détails, la construction de la Soukha, la mitzvah de s'installer dans la Soukha, combien. Et puis maintenant, on va parler du Lulav. Avec, c'est simple, les quatre espèces. Lulav, Arava, et Hadas et le Etrog. Ça va être l'objet de la Mishnah Aleph Bet Gimel Dalet, puis après on va continuer à plus développer dans la manière de le prendre, de le saisir et tout ça. Pour le moment, donc, dans la première Mishnah du Perek, on va découvrir les conditions requises pour valider le Lulav. Alors la Mishnah m'enseigne Lulav Agazul Vehayavesh Vasoul, un Lulav qui a été volé, qu'on n'a pas payé, qu'on a pris de force sans le consentement du vendeur. On a cru qu'on avait fait une affaire, on a réussi à lui endormir un loulav. Ben, sache que pour le moment, tu lui as volé un loulav et tu t'acquittes pas de ta mitzvah. Pour quelle raison? Deux raisons. Une, tout d'abord, parce que la Torah elle me dit, tu sais, le premier jour de Sukkot, tu dois ulkartem lachem. Vendrez pour vous, il faut être possesseur, le propriétaire de son loulav. Deuxième raison, parce qu'en plus de ça, ça s'appelle une mitzvah abba avera. Tu fais une mitzvah avec quelque chose que tu as obtenu par une avéra, par une transgression, eh bien, tu ne peux pas l'accomplir la mitzvah. C'est un vaste sujet, mais pour le moment, c'est les deux avis, les deux interprétations proposées dans la Gemara. Veha Yavesh, Yavesh, c'est celui qui est sec. C'est-à-dire, alors tout d'abord, on apprend ça par juxtaposition, Olkartem Lachem, Bayom Rishon Pri Etz Hadar, le fruit d'un arbre, littéralement, d'un agrume, etz hadar. Mais c'est le mot hadar vient dire quelque chose de mehoudar, de splendide. Donc c'est le loulav. Mais c'est le trog. Mais on apprend de là la nécessité d'avoir les quatre minimes, les quatre espèces, de manière splendide, qu'elles soient belles, et pas qu'elles soient complètement desséchées. Donc une branche de loulav qui est toute sèche, c'est invalidé. Pas soul. Invalide. Veshel Ashera, Veshel Iranidachat, excusez-moi, mais je suis bien fatigué et ça sert à rien de traîner plus. Donc maintenant, Shel Ashera, Veshel Iranidachat. Ashera, c'est un arbre de Avoda Zara. Alors faut savoir, il y a des règles qu'on avait un peu découvertes dans la Sechet Avoda Zara, justement, qu'on ne peut pas rendre Avoda Zara un arbre. Parce qu'il est planté au sol, c'est que si on l'a détaché du sol, une montagne, on ne peut pas la rendre à Vodazara, il faut nécessairement tout avoir détaché du sol, tant que c'est fixé au sol, on ne rend pas à Vodazara. Mais malgré tout, par rapport à la possibilité de faire une mitzvah avec un objet, avec un arbre, ou avec une montagne, avec, donc que malgré tout, quelqu'un les a servis, les a divinisés, alors ça ne marche plus, c'est invalidé. Idem pour Veshel Ir Anidachat, la ville de la cité maudite. La cité maudite, alors c'est la fameuse paracha de la Torah, dans paracha de Shoftim, au cas où, grâce du Shalom, il y a une ville, la majorité de la ville qui transgresse, qui fait de la Vodazara parce qu'ils ont été incités. La Torah me dit de détruire tous les fauteurs, de brûler tout l'argent de tout le monde qui soit dans cette ville. En l'occurrence, s'il y avait des loulaves, il faudrait aussi les détruire, les brûler. Et donc dans ce cas-là, puisque sa destination c'est d'être brûlé, il n'a plus de valeur, il est considéré comme s'il était brûlé, on ne peut plus l'utiliser pour en faire la mitzvah du loulav, on ne s'acquitte pas avec lui. Maintenant, plus concrètement, là on a parlé très général sur la propriété, sur les différentes avérotes qu'on a fait, maintenant on va s'intéresser à l'allure du loulav, avec le Niktam Rosho, si sa tête a été coupée, c'est-à-dire, on avait le... C'est fréquent, quand vous voyez les gens en Mahmirim, regarder de très près le loulav, de regarder à la loupe, même il y en a même qui vérifient à la loupe, c'est pas qu'il faut chercher des problèmes à la loupe,
C'est que tout simplement, il peut, dans certaines circonstances ou dans certaines chumrot, justement, vérifier pour un expert qui va vérifier l'historique du lulav et voir est-ce qu'il n'a pas été brûlé ou coupé, c'est-à-dire que la pointe du lulav, elle a été coupée. Ça, c'est Niktam Rosho. Nifretsu Alav, c'est que ses feuilles se sont ouvertes de partout. Mais on parle que. Alors, la Mishnah me dit d'abord, Pasoul, ça a été invalidé. Ça, Nifretsu Alav, excusez-moi, c'est qu'elles ont été détachées. On explique qu'elles ont été, en fait, qu'elles ont été. Vous savez comment ça se passe le lulav? C'est une grande tige essentielle, c'est la colonne vertébrale. Avec de la colonne vertébrale vont sortir des feuilles qui sont pour le moment fermées. Ces feuilles-là, lorsqu'on va laisser la branche plantée, elles poussent comme ça du palmier à la verticale. Et puis, doucement, doucement, elle va commencer à ouvrir ses feuilles pour devenir une belle branche de palmier. D'accord? Ça, c'est le. Maintenant, la Mishnah, elle me dit, donc, si tu as eu les. Donc, on a dit qu'il y a la colonne vertébrale avec des feuilles qui sont plantées et qui montent bien fixées. Kapot Tmarim, la Torah nous a dit, des branches de Tmarim, de dattier, donc de palmier, mais en fait, kapot, c'est-à-dire qu'il doit être kafout, il doit être refermé sur lui-même. Apte à être refermé sur lui-même. De ce fait, si on a juste pris les feuilles, on les a cassées, de manière qu'elles sont encore fixées, mais elles ne montent plus naturellement et joliment avec la colonne vertébrale, au point où, même si on les refermait avec un fil, on prenait un fil pour les refermer un petit peu, on verrait encore qu'à l'endroit où il y a eu. À l'endroit où la feuille va tirer, va sortir, on verrait qu'il y a encore un trou parce que elle a commencé à se détacher, alors c'est pas soul. Ça c'est nifretsu alav. Par contre, si c'est nifredu alav, si ces feuilles ont juste été ouvertes, c'est-à-dire que c'est fréquent avec le loulav, quand il commence à venir, celui qui conserve mal son loulav pendant la semaine, il se retrouve avec un loulav le 6e, 7e jour, qui est devenu moche. Il commence à avoir les feuilles qui vont commencer à s'ouvrir au bout. Alors qu'ils sont été. Donc ça s'appelle nifredu alav. La Mishnah me dit ça, que c'est caché. Malgré tout, Rabbi Yehuda Omer, il y a que des noms, il est malin. Rabbi Yehuda me dit que malgré tout, je voudrais que tu la fermes en haut. Tu vas prendre une ficelle, tu vas le fermer, de manière à ce qu'il paraisse beau ton lave. D'accord? Tinei Har Abarzel Kshérot. Tinei Har Abarzel, c'est une espèce particulière de loulav. C'est une espèce particulière de loulav qui. Elles sont très originales. Je reprends, le loulav, c'est une colonne vertébrale avec des feuilles qui sortent, et que pour le moment, tant que le loulav il est jeune, il ne s'est pas encore ouvert dans l'arbre, alors il a toutes ses feuilles bloquées qui montent, collées sur lui. Il y a une certaine espèce de loulav où il y a des feuilles qui ont commencé à sortir, mais elles vont être toutes petites, au point de ne pas arriver à l'endroit où la feuille du dessus va commencer à sortir. D'accord? Alors, la Mishnah me dit, dans Tinea Barzel, c'est une. Littéralement, il n'y a pas de mot. Les palmiers de la montagne du fer, c'est un endroit spécial. Il y avait un palmier bizarre qui sortait avec des toutes petites feuilles. Entre parenthèses, c'est fréquent hein, un peu. On ne voit pas franchement ça, mais quand même, on voit un olaf différent. Dans les palmiers en Israël, il y a des palmiers que quand ils poussent, ils s'ouvrent et ils font comme une sorte de fan qui ferait la cour quand il ouvre bien son truc, c'est des feuilles comme ça, des feuilles de palmier qui vont faire une sorte de rond avec des pics. Ces feuilles-là, regardez-les quand ils sont petits, vous verrez que c'est assez original. Vous allez voir qu'il y a des feuilles qui vont sortir, mais qui ne vont pas être très hautes comme un loulav habituel. Ça va monter un peu plus. La Mishnah met en tout cas là, ça c'est cachère, à partir du moment où la feuille atteint l'endroit où la feuille du dessus va commencer à sortir, qui est une certaine continuité des feuilles. Mais pas qu'il y ait une feuille qui sort et que ça s'arrête, qu'il y a un espace, puis après il y a une nouvelle feuille qui sort. Ça, c'est pour le Tinea Abarzel, donc j'ai dit que c'est kasher, comme soit dit. Loulav, maintenant, dernière halakha. Quelle taille doit avoir le loulav? Alors je traduis, vous allez voir qu'il y a une certaine anomalie qui va être corrigée. Loulav sheyesh bo shlosha tefachim, un loulav qui a une taille de 3 tefar. Donc, un tefar, c'est 10 cm, 30 cm. Kedel enanea bo, afin de le remuer. Alors, la Mishnah me dit qu'il est kasher. Donc, il faut qu'il ait 3 tefachim pour le remuer. On ne comprend pas cette phrase. Et la Mishnah, la Gemara rajoute un petit vav en me disant Loulav chez Bosh Losh Tefachim, Vekede l'Enanabo. Loulav, il doit faire 3 Tefachim de hauteur au minimum, et avec en plus de ça, un autre Tefar supplémentaire qui est Kede l'Enanabo, afin que quand tu puisses le secouer,
qu'on voit que c'est lui que tu vas secouer. Sur le Ashkenaz, parce qu'ils vont faire clac-clac. Sur le Sarad, il faut que ce soit lui qui monte et qui revienne. Même de, parce que chez les Sardim, chez les Ashkenaz, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus. Les Ashkenaz, quand on fait le lulav, on fait claquer le lulav. Chez les Sardim, il n'y a pas de lignan de faire claquer le lulav. Juste, on l'amène et on le rapporte uniquement. C'est ça ce qu'on fait l'innois. Le ninois. On aura l'occasion de retrouver d'en parler plus longtemps. Donc je reprends la Michel me dit concrètement, je tourne le lave, il fasse 3 tefar et en plus de ça, un tefar supplémentaire pour que quand tu vas remuer, qu'on voit que c'est lui qui remue, qui va bouger. Ouais. Et ce supplément, il doit faire aussi un tefar. Donc au total, le lave doit faire 4 tefar. Petite discussion dans les post-kim, comment interpréter. Est-ce qu'on parle que le lave en tout, il fait 4 tefar, donc 40 cm, parce que relativement plus petit, c'est plus petit que mon. Que ma main, une coudée, c'est l'équivalent de plus de 50 cm. Ça, c'est une première option. Il y a une deuxième option qui va me dire, vous savez, on a dit qu'il y a la colonne vertébrale du lulav, qui est en fait l'arête essentielle, à partir duquel toutes les feuilles vont sortir. Il y a un moment, il y a certaines espèces de lulav, c'est encore plus flagrant, il y a un moment où on voit que cette arête a arrêté. C'est arrêté, et puis, elle va donner ensuite, ce qu'on appelle la thyomètre, la feuille, il va y avoir une seule feuille qui va sortir au-dessus de ça. Et il y en a qui interprètent que là, ce que je t'ai demandé d'avoir un lulav qui fait 4 tefar, donc 3 plus 1, c'est pas sur toute la hauteur du lulav, c'est sur du lulav jusqu'à la fin de la colonne vertébrale. À partir de la colonne vertébrale, ça tu dois avoir 4 tefar 40 cm, donc ça fait que vous allez pouvoir ajouter encore un petit peu de centimètres pour la tête finale, pour la feuille du milieu qui va sortir tout en haut. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, comme tout, salam.